Bonjour à tous. Hier, en regardant une émission sur France 5, en écoutant des envoyés spéciaux de France 2, d'un seul coup, je suis tombé des nues. Ils n'ont jamais, je dis bien jamais, eu le droit de suivre les troupes ukrainiennes avant et après l'invasion russe. Jamais. Écoutez ce témoignage de ces deux envoyés spéciaux. Nous, Occidentaux, nous, Européens, nous, Français, on est persuadés d'avoir tout un tas d'informations, surtout compte tenu de ce qu'on nous dit de la fermeture de ce qu'il y a là-bas. On constate cependant, pour les analyses, que justement, on a de moins en moins d'informations qui viennent de là-bas et que donc c'est très difficile finalement de s'extraire du flux informationnel. Pour l'Ukraine, hein, ce que je ne dénie pas. Hein, je... Que, notre, qu'on va voir que notre traitement n'est pas équilibré. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'à l'échelle du monde, attention à notre prisme d'Européens. C'est tout ce que je veux dire. Et que cette guerre informationnelle, elle est certes gagnée par les Ukrainiens en Europe et aux États-Unis, mais elle n'est pas forcément gagnée à l'échelle du monde. C'est tout ce que je dis. Comment est-ce que vous réagissez à ce que... Moi, je réagis d'une manière assez particulière. C'est que nous, on a demandé plusieurs fois l'autorisation de tourner avec l'armée ukrainienne. Et ben, c'est un blackout total. Si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a aucune image de bataille du côté ukrainien comme du côté russe. Donc, c'est ça qui est dingue. C'est qu'en gros, en fait, effectivement, ils ont gagné la bataille de l'information des amis ukrainiens. Mais nous, on n'a pas... La bataille de l'émotion. C'est pas voilà, ça, c'est pas ça, c'est le président ukrainien qui l'a gagné aussi. Non, c'est compliqué de tourner. C'est très compliqué. On a demandé même de faire donc l'armée ukrainienne au moment où il y avait les exercices russes en Biélorussie, donc avant la guerre. Impossible, mais vraiment absolument impossible. Et il faut savoir que... Et pourquoi d'ailleurs? Vous savez pourquoi? Eh bien, nous sommes militaires. Oui, enfin non, dans tous les pays du monde, on va, on va avec les militaires. Hein. On est embed, on accompagne les troupes. Embarqué, exactement. Mais il faut savoir qu'ensuite, pour aller filmer dans un abri, il fallait intégrer un press tour, donc c'est-à-dire un voyage de presse. Et je disais, donc on contournait ça en allant quand même dans un abri, on filmait avec le portable, parce qu'on n'avait pas le droit. Donc beaucoup de choses sont quand même très, très cantonnées, très restrictives de par les Ukrainiens. Ce qui veut dire que le blackout est général. Le blackout du côté russe, il est évident, et le blackout du côté ukrainien, il est manifestement évident. Personne ne va voir les combats. Et pourtant, d'un côté et d'un autre, on nous dresse des bilans de morts, etc., etc. Mais alors, que vont faire les journalistes qui sont là-bas? Ont-ils vraiment une possibilité de circuler? C'est encore des questions qui restent en suspens. Mais là, vraiment, j'ai été sidéré de comprendre, de savoir ça. C'est vrai que je ne voyais pas d'image de combat. Je me disais, mais pourquoi n'y a-t-il pas d'image de combat? Pourquoi il n'y a pas d'image de soldats ukrainiens? Pourquoi il n'y a pas d'image, donc, de tout ça? Eh bien, voilà, nous avons la réponse.